Pour déposer un fichier Word dans une activité, il faut tout d'abord créer un lien. On peut créer un lien avec des textes ou une image. Moi, j'ai choisi d'employer une image pour le lien. Donc, je dépose l'image dans l'activité. Je vais le faire maintenant. Je ferai maintenant insérer une image. Et dans mes fichiers, j'ai déjà déposé une image pour l'icône. C'est MS Word. Alors, je sélectionne MS Word et texte alternatif. Il faut mettre quelque chose. OK. Télécharger le fichier. Ça, c'est mon texte alternatif. Alors, OK. Oh, je n'aime pas ça comme ça, arrangé comme ça. Je vais faire un petit changement. Je vais mettre l'image vers le haut. Alors, ça, c'est l'image. Je vais faire l'alignement vers le haut. Excusez-moi, mon browser est en anglais, pas français. Et je dis OK. OK, maintenant je vais employer cette image pour lier vers le fichier donc je veux ouvrir. Les étudiants vont ouvrir. Alors, c'est toujours sélectionné. Alors, je vais cliquer sur le lien. Et maintenant, je ne veux pas un lien web. Je peux faire un lien au fichier. Je clique sur le bouton Browse. Et je cherche dans mes fichiers le fichier que je veux ouvrir. Et j'ai un fichier qui va marcher pour ça. Delete me, supprime-moi. OK. C'est ça. Et je dis OK, je clique sur OK, et c'est tout. Maintenant, je vais juste sauvegarder les changements. Oui, mes boutons sont en anglais maintenant. OK, et c'est ça, ça marche quoi? Oui, télécharger le fichier, et si je clique sur cela, ça va ouvrir le fichier au besoin. OK, ça c'est tout. Tu peux me poser plus de questions si tu en as eu. Merci.